C'est la saison du coup de chauffe et les parfums des glaces suivent la météo. Aujourd'hui, préparation d'un sorbet à base de poivrons rouges et de framboises. Dans cette fabrique artisanale, ce sont 300 références différentes de crème glacée et de sorbet qui s'élaborent. Les nouveautés de l'été, la glace au sablé breton ou encore à l'hibiscus ou au petit pois et menthe. Dans le domaine de la gourmandise, il y a des modes et des recettes improbables. Improbables, oui. Ouais, comme le sorbet aux orties. On appelle le sorbet au foin bio, qui ressemble un peu au thé. Mais la crème glacée Roquefort me vient aussi. Le spéculoos ou le carambar ou plein de petites choses. Le sablé breton est vraiment une mode. Et la plus grosse mode, ça a été le caramel salé, qui est sorti il y a une trentaine d'années et qui grimpe toujours en volume. Sur le feu, une préparation à base de thé vert et qui nécessite une attention toute particulière. Donc on monte à 85 et puis on met le thé vert matcha. Le thé vert matcha, il a une particularité, c'est qu'il peut être amer, donc s'il est trop chaud trop longtemps. Certes, le thé vert vient du Japon, la vanille de Madagascar, le nougat de Montélimar, mais priorité est donnée aux produits locaux. Du Morbihan arrive le safran de Bégane, le pain d'épices de Rochefort-en-Terre. Les différentes variétés de pommes utilisées proviennent de Sixsuraf en Ille-et-Vilaine. Du nord de Rennes, c'est le cidre artisanal de Bédé qui vient apporter sa note fruitée. Bon, on va mettre ça en place. Chaque année, près de 116 000 litres de glace sont confectionnés. Le chef pense déjà à des recettes étonnantes à base de fleurs ou de plantes, mais le parfum indétrônable, le préféré, reste la vanille, tout simplement.